Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver à nouveau aujourd'hui avec l'équipe Jésus est mon guide pour la méditation de ce jour en ce vendredi 30 août où nous méditerons avec la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Nous serons au chapitre 1er, le verset 17 à 25 où il nous sera dit « Nous proclamons un Messie crucifié ». Scandale pour les Juifs, mais pour ceux que Dieu appelle, il est sagesse de Dieu. Un petit coucou à tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Radio Arc-en-Ciel. Un petit coucou également à toute la grande famille de Jésus et mon guide qui nous partage chaque jour les méditations des lectures qui nous sont proposées dans la liturgie. Un grand merci à eux pour ce temps qu'ils prennent, ce temps de partage, ce temps d'écoute également. Merci à tous ceux qui y participent. Aujourd'hui, en ce vendredi, prenons le temps de respirer lentement et de nous mettre sous le regard de Dieu, en lui demandant de nous aider à reconnaître ce qui est fou et sage dans le monde et dans notre propre vie. Eh bien, pour démarrer notre séquence, nous vous proposons de le faire avec Robert Paulin, Fleuve d'eau vive. Bonne écoute à tous. Coule en nous,
Esprit Saint en nos cœurs. Fleuve d'eau vive, coule en nous. Méditons à présent cette première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile. Et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine. Ce qui rendrait vaine la croix du Christ. Car le langage de la croix est folie
pour ceux qui vont à leur perte, mais pour ceux qui vont vers leur salut, pour nous, il est puissance de Dieu. L'Écriture dit en effet « Je mènerai à sa perte la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents. Je la rejetterai. » Où est-il le sage? Où est-il le scribe? Où est-il le raisonneur d'ici-bas? La sagesse du monde, Dieu ne l'a-t-il pas rendue folle? Puisqu'en effet, par une disposition de la sagesse de Dieu, le monde, avec toute sa sagesse, n'a pas su reconnaître Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par cette folie qu'est la proclamation de l'Évangile. Alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse. Nous, nous proclamons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie, ce Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que nous dit saint Paul dans cette lettre aux Corinthiens? Tout d'abord, Paul est envoyé par le Christ pour annoncer l'Évangile. Il nous enseigne que malgré la sagesse de l'homme, il n'a su reconnaître Dieu. Et que par la folie de la proclamation de l'Évangile, il a sauvé les croyants. Car Dieu est plus sage que l'homme. Et par la croix, il a sauvé l'humanité. La croix, folie pour les Grecs et scandale pour les Juifs. Et pour nous, que représente la croix? Que signifie la croix? Sans la croix, que serait notre foi dans la résurrection? La croix, folie ou scandale? Oui, la croix est folie, mais folie de l'amour. Car c'est sur la croix que Dieu révèle sa véritable sagesse. Car en mourant sur la croix, Jésus se met du côté des plus petits, des méprisés, des maltraités, des mal-aimés, des laissés pour compte. De tous les peuples, de toutes les religions, de toutes les cultes. Jésus est mort sur la croix pour tous, sans exception. La mort de Jésus révèle la méchanceté des hommes qui condamnent le juste et refusent l'envoyé de Dieu. Mais la croix révèle surtout l'amour incompréhensible de Dieu. Il charge son Fils, le juste, de nos péchés pour qu'il emporte le jugement. Pour les croyants, le message de la croix est la puissance de Dieu. C'est ça que saint Paul essaye de nous expliquer. Paul appelle la folie de Dieu. Dès le départ, Jésus savait que les grands et les sages de ce monde rejetteraient son œuvre. Il n'a donc pas perdu de temps avec eux. Il s'est orienté davantage vers les méprisés et ceux à qui on accorde peu d'importance. Folie et sagesse pour Dieu, nous dit saint Paul. La sagesse consiste à reconnaître comme bien ce qui conduit au bien. La sagesse, selon Dieu, est la connaissance inspirée des choses divines et humaines. Elle est une qualité spirituelle. Le don de la sagesse est un des sept dons de l'Esprit-Saint qui permet de discerner le bien du mal. La folie, c'est un manque de foi, de vertu
et d'obéissance à Dieu. C'est ainsi que l'on peut comprendre les propos de Paul concernant la sagesse du monde, qui est folie pour Dieu, et la folie pour Dieu, qui est plus sage que les hommes. Amen. Nous vous proposons à présent de retrouver Maria avec le psaume de ce jour, le psaume 32. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Criez de joie pour les seigneurs, hommes justes, hommes droits, vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à dix cordes. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Oui, elle est étroite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Le Seigneur a déjoué les plans des nations, anéanti les projets des peuples. Le plan du Seigneur demeure pour toujours. Les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Merci à Maria pour le psaume de ce jour, le psaume 32. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Merci à tous de votre fidélité, de votre écoute avec l'équipe Jésus est mon guide. Ce fut un plaisir de partager à nouveau avec vous. Et avant de nous séparer, eh bien, nous vous proposons une prière, cette prière pour acquérir la sagesse. Avant de nous séparer avec Sœur Agathe, donne-moi ta grâce. Dieu, nous avons souvent du mal à décider ou à discerner. Viens maintenant nous guider, en particulier dans telle ou telle situation que nous allons te confier chacun et chacune. Nous te confions toutes ces personnes, Seigneur, qui vont te demander une intention de prière en cette séquence. Et nous te demandons de les éclairer pour qu'ils puissent discerner la meilleure chose à faire. Donne-nous de comprendre ce que tu attends de nous et comment être vraiment heureux. Sans toi, Esprit Saint, nous sommes perdus. Viens nous donner ta sagesse. Nous t'en remercions d'avance pour toute l'aide que tu pourras apporter en ce jour. Amen. Salut, bye bye. À plus.